sommeil. On entre par en bas. Je viens dans l'ombre, je pars. Adieu. Vous aussi, où allez-vous? Montons. Mais levez de la terre. Montons. Adieu. Où descendez-vous? Restez plutôt. J'emporte ce qu'il faut. Adieu. 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 Prenez garde. On ne voit plus rien de nous. Ignorez-moi. Ce qui étonne à présent. Majesté. Silence. Elle plaide qui elle est. Adieu. Non, ce qu'elle a été. D'une main, elle donne. Elle s'exclave. Vous disiez. De l'autre, elle le dit. Oh, ma petite Angleterre. Elle tombe sur vous. Edouard, Edouard, Edouard! Il vit! Il vit! Edouard et Georges ont disparu! Edouard! Je tombe, reine, aussitôt! Et t'en vis! Quel jour sommes-nous? Jeudi! Jour d'élévation! J'étais venue pour quelque chose. Vos enfants, Majesté! Mes enfants! Georges! Il vit! Mort! Non! Je te dis qu'il est mort! Tu n'as qu'à descendre pour voir les traces de sang. Les traces de sang? Alors quelqu'un d'autre l'a tué et il devait le noyer dans un tonneau de malvoisie. À Warwick, est-ce à vous que j'ai confié mes enfants? Non. Majesté, ils étaient dans les bras de ma sœur. Où est-elle? C'est Richard de me les prendre. Je veux qu'il me les arrache à moi. Elle est descendue au moment où j'ai appris que le roi était mort. Qui a dit que... Oh, je pensais qu'il était mort. Édouard est en vie. Richard. Il m'a demandé. Demandé quoi? De l'épouser. Des bruits courts. On en veut à votre mari. On en veut à mes enfants. Ils sont nés depuis un jour à peine et cela fait 20 fois qu'on les égare. J'ai résolu de quitter Londres. Je m'en vais aujourd'hui. J'ai accouché de Richard. Parmi mes fils, dont le plus impitoyable des crimes est de n'avoir pas tué mes illusions. Notre maison est à la merci de ces intruses de Warwick et j'entends ma mère qui dit le mot tendresse. Regarde-moi. Regarde-moi et redis-le. Vous lui avez dit oui, comme votre sœur. L'une épouse un âne, l'autre un crapaud. Oh, le beau gouvernement! Au moins les sujets vont rire. Et Anne Dexter, elle aussi? Où est sa voix que je la réentende? C'est comment? C'est aigu? Car en dessous qu'elle a la voix rauque. Va-t'en chez Richard. Ah, ne tu t'en vas? Non, attends, il faut m'emmener. Je pars en Chine. Vers les caps de l'Asie fabuleuse. Tu m'as ordonné de me taire, mais seule, devant toi, je peux parler. Tais-toi. Ce que je suis est rempli de mots, rempli de questions. Rempli de « Dis-moi, qui est Anne ?» Que ferez-vous en Chine? Continuez de vous haïr. Je veux voir jusqu'où peut aller le mépris quand on l'emporte au loin. Descendez, Isabelle Warwick, je vous l'ordonne. Vous... Êtes-vous la reine d'Angleterre? Pas encore, Majesté. Où sont mes enfants? On m'a parlé aussi d'une fille parmi ses frères. Je t'entends souvent répondre à ceux qui s'en informent des histoires extravagantes. Il te faut des heures pour expliquer que cet enfant-là n'est jamais né. Je l'ai toujours désiré, mais en chair, elle n'est jamais née. Vous m'avez tout pris, et maintenant, vous m'arrachez mes souvenirs. Les cloches de l'abbaye sonnent le glas. Édouard! Non, attendez! C'est une plante à genêts. Je ne veux pas qu'on touche à son visage. Tenez, je serai clémente. Nous demanderons à Richard de lui couper les mains. Qu'aurais-tu répondu à ta mère si elle t'avait prise pour une étrangère? Ce que vous étiez et ce que vous aviez m'appartient. Il y a là une rage aux dents qui cherche à mordre à l'intérieur d'un cachot, d'autant plus restreint que la fournaise est énorme. Londres, Londres, pourquoi tant hésiter? Quand vient le rêve de s'en éloigner? Mon trône n'est pas encore vacant. Car s'il l'était, tu t'y serais déjà assise. Prête-moi ta couronne. Elle m'appartient. Prête-la-moi. J'ai régné 10 secondes. Et j'ai vu ce que je voulais voir. I will have her. But I will not keep her long. C'est l'heure de l'élévation.
Montons!